sommet de la 19e journée de Top 14. L'Union Bègles-Bordeaux et le Stade Toulousain nous ont offert un magnifique spectacle avec 9 essais marqués et 59 points au tableau d'affichage. Au bout de 35 secondes d'une action incroyable, Pierre Beauchaton va sceller le résultat en faveur des Girondins. Mais revenons en arrière pour revoir en détail les chiffres cachés de cet essai. Nous allons assister à une série d'exploits individuels au service du collectif. Cette action d'envergure commence par une touche à 30 mètres de l'embut de Toulousain. Pierre Beauchaton est déjà au départ de l'action pour récupérer le lancer de Romain Laterade. Ballon rapidement éjecté par Lesgourgues pour Lucu au poste d'ouvreur qui lance Moefana en l'heure et joue pour Huberti. À la fin de ce premier temps de jeu, aucun déséquilibre dans la défense toulousaine. L'UBP enchaîne dans le même sens avec un appel de deux porteurs qui va ainsi créer un déséquilibre en faveur des locaux. Il échappe au plaquage de Coste, résiste et continue d'avancer jusqu'à l'entrée des 22 mètres. Grâce à ce deuxième temps de jeu qui va durer 7 secondes et 14 centièmes, les Girondins vont tous se placer à gauche du roc. 4 Toulousains restent encore à l'extérieur, ce qui crée un premier surnombre favorable aux Bordelais. Troisième temps de jeu avec Colachvili, puis quatrième temps de jeu avec Petit. C'est à ce moment que l'UBB va conclure cette action. Après un bref regard sur la gauche, Lucu prend l'initiative et change de côté. Dupont l'a compris, mais c'est trop tard. Avec un positionnement vertical de Penaud et Huberti derrière Lucu, si les Girondins enchaînent dans le même sens, les Toulousains verrouillent les 15 mètres. Le changement de côté va créer un décalage. La cellule d'avant va créer un leurre et fixer la défense rouge et noire. Avec un relais de Cazot pour Lucu qui va lancer Penaud. À la prise de balle de Penaud, les Toulousains sont en contrôle avec Ntamack, Aki et Lebel, respectivement sur Penaud de Porter et Beauchaton. Malia couvre le deuxième rideau au cas où Garcia intègre la ligne. Les qualités d'appui de Penaud vont être déterminantes. Il élimine Ntamack et fixe Aki sur une passe avant contact. Avec Lucu qui a suivi, le surnombre est rédhibitoire pour Lebel et Malia qui sont battus par, d'une part, le 3 contre 2, ainsi que d'autre part, par la vitesse d'exécution de Garcia et de Porter. Pierre Beauchaton est lancé et vise le drapeau de coin. À la prise de balle, le sprint va durer 2 secondes et 80 centièmes. Avec 20 et 22 mètres à parcourir pour Beauchaton et Aki, ils ont couru respectivement à 25,7 et 28 km par heure. Même s'il n'y a aucune volonté de faire mal, le choc est impressionnant. L'angle pris par le genou du troisième ligne fait froid dans le dos. Mais comme l'impact a lieu après la prise d'appui, le pied gauche va glisser sous le trois-quarts toulousain. Enfin, dernier chiffre et pas des moindres, le dernier appui au sol de Pierre Beauchaton avant d'aplatir se fait au centimètre près. L'arbitre de touche étant parfaitement placé, il valide l'essai. Sens tactique et visé, prise d'initiative, soutien permanent, rage de vaincre, c'est le parfait exemple du French Flair. Pierre Beauchaton, l'essai qui peut redonner l'avantage à Bordeaux. A priori, il est validé.